Bienvenue à tous, Go Michel a trouvé le moyen possible pour situer ses enfants qui veulent soutenir entre le Real Madrid ou le Barcelona FC. Vous allez découvrir ce moyen à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, puis lâchez-nous un j'aime sur cette vidéo. On y va. Le phénomène rappeur MC Baba est passé en l'espace de quelques minutes d'une nationalité à une autre sur la page de Moté, ce qui a suscité une petite polémique sur sa page d'origine. Sur les deux images que vous allez voir et sur la première image, nous voyons que c'est une publication de Moté qui affirme que MC Baba est brazzavillois. Et voilà la deuxième image et la même page Moté affirme que MC Baba est quinois. Alors on choisit quoi? Si vous vous maîtrisez, alors dites-le nous en commentaire. Collaboration entre Koffi Olomide et Diamond Platinum sur le titre Assis. Une collaboration qui a fait plus d'un million de vues en seulement 24 heures sur YouTube. Diamond Platinum exprime sa grande reconnaissance envers le père Koffi Olomide. On comprend même de là que l'amour que Diamond Platinum a pour le grand Mopao ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand il était tout petit qu'il admirait le père de la rumba, Koffi Olomide. Et cette collaboration n'est que le fruit de ses rêves. Alors, nous nous demandons si Axel Meryl veut emboîter les pas de Togbe Yeton. Car ces derniers jours, ces publications sont faites en langue fond, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors, comme vous le voyez, de retour d'un concert de son ami Naso Aiku, il a pris le son et décrit en fond ses remerciements à ses fans qui étaient de la partie. Aussi, sur sa page, il y a un moment, il écrit d'avoir confiance en lui et il écrit cela en langue fond. Mais jusque pour sa publication en fond qui parle du remerciement à ses fans qui étaient à son concert aux côtés de Naso Aiku, il a écrit drapeau. Drapeau n'est pas en fond, mais en français. Alors je vous demande à vous, écrivez-moi drapeau en fond dans les commentaires. La meilleure réponse peut partir avec un prix. Qui sait? Alors je reviens sur le sujet du départ. Michel Gourou oriente ses enfants sur le choix de club. Alors il dit, comme vous allez le constater sur votre écran, alors la légende de la comédie ivoirienne ne va pas forcer ses enfants à soutenir son club qui est le Real Madrid, mais juste que celui qui ne voudra pas supporter Real va simplement et purement quitter la maison. Selon vous, est-ce une bonne décision de la part de Michel Gourou? Ou si c'était vous, allez-vous accepter que vos enfants soutiennent un autre club outre que le vôtre? Dites-le en commentaire. Et ce sera la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aussi, comme je vous l'ai dit, drapeau en fond en commentaire. On est ensemble.